vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des petites boîtes express. J'appelle ça des petites boîtes express. Voilà. On a un petit bijou à offrir, on a quelque chose de tout petit à offrir. Eh bien, des petites boîtes comme ça. Hop, on l'ouvre ici. On a la petite, le petit pochette. Hop, on met un petit bracelet. J'en ai fait un autre. Hop, on l'ouvre ici et dedans on peut mettre un petit bracelet, on peut mettre un petit bijou, voilà. C'est très vite fait et comme ça, quand on a un petit truc à offrir, eh bien on fait son petit machin là, sa petite pochette, voilà, comme ça. Et puis c'est très vite fait et c'est sympa, voilà. Allez, on le fait ensemble. Alors, on va prendre un morceau de papier de 11 cm par 30,5. Sur les 30,5, on va faire un pli de chaque côté. Attendez, est-ce que j'ai tout changé? C'était des inches et puis ça ne me plaisait pas comment c'était fait. Donc, j'ai fait mes mesures à moi. Hop, allez. Alors, de chaque côté, on fait un pli à 1 cm. Hop. Et l'autre côté, on fait un pli à 1 cm. C'est ça. Attendez les filles, que je fasse pas des conneries. Est-ce que c'est 1 cm les plis? Oui, c'est 1 cm. Hop. Voilà. Ensuite, après, on tourne notre papier sur les 30,5. On va faire un pli à 11. Douze, treize virgule cinq, quinze, il m'en manque un, deux, trois, quatre, et là j'ai combien? J'ai 1 cm, donc j'ai dit 15, 16. Ça fait 5 plis normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Et ensuite après, on va tourner notre papier dans l'autre sens et on va faire un pli à... J'ai dit combien? Je sais plus. Et bien le pli, on le fera après parce que je sais plus combien j'ai fait. Alors, on fait un pli à 3,5. Si c'est pas ça, c'est pas grave. On changera. Voilà. Hop. Alors, on va marquer les plis. Au milieu, ici, on a une montagne. Alors, je ne sais jamais dans quel sens elle est, ma montagne. À chaque fois, je me trompe. Ensuite, après, on a encore une montagne. Et ensuite après, on a une vallée, le dernier. Est-ce que ça va être dans le bon sens ou pas? Vallée, non, c'est dans l'autre sens. Alors, vallée. Vallée, montagne, montagne. Hop. Montagne, 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 vallée. Alors, je ne sais jamais si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Je vous dis ça de suite. Donc, ça doit vous donner ceci. Ça fait un petit triangle. Et du coup, quand je mets la colle ici. Je fais une montagne. Alors là, j'ai une vallée, montagne. J'y arrive les filles. Hein. Montagne, montagne, vallée. Hop. Et quand je vais coller, je fais ça, ça, ça. Et normalement là, et là, ça colle les deux côtés ici, ici, comme ça. Et voilà. C'est ça.
Et après ça, je le rouvre. Voilà. Alors, vous allez prendre l'intérieur. Vous faites le premier trait, vallée, montagne, 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 vallée. D'accord ? Ensuite, ici, ça sera le rabat. De ce côté-là, vous allez faire une toute petite ouverture. Voilà. Hop, ça, ça sera comme ça. Et ça, ça va être comme ça. Comme il faut. Voilà. Hop. Donc, on va prendre notre double face. Et on va mettre du côté où on a le petite ouverture, on va mettre... On met rien du tout ici, on va mettre à partir du premier trait que l'on a fait du côté de l'ouverture, d'accord? Et on va mettre ça, non je dis des conneries, comme ça, du côté de l'ouverture, et on va aller jusqu'au dernier pli. Ouh là là, ça va mal. Alors, là j'ai mon ouverture, premier trait, deuxième trait, troisième trait, quatrième trait, cinquième trait, je mets mon double face et je vais jusqu'en haut. Hop. Je fais pareil sur l'autre côté, je me mets au premier trait. Hop. Hop. Je coupe. Là, ici, vous avez le premier trait. On va mettre du double face dans le petit 1 cm. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Ici, on met du double face dans le 1 cm. En fait, c'est les deux côtés opposés. L'autre côté, au milieu, on met rien. Voilà. Donc, maintenant, on va retirer les trucs. Hop. On retire ces deux-là. Et on va coller. Ah bah j'ai un truc qui est statique là. Alors on prend, donc là on a une vallée et là on a une montagne, d'accord? Donc on va venir le coller comme ça. La montagne on la laisse en haut, l'autre montagne on la laisse en haut et on va tout simplement montagne. Attendez que je fasse pas n'importe quoi. Là, j'ai mes deux montagnes, j'ai collé. Et là, je dois coller comme ça. Attendez, j'ai fait des bêtises. Je sais plus. Là, j'ai mes deux montagnes. Là, j'ai mon... Alors là, j'en ai collé un. Celui-là, il va là. Celui-là, il va comme ça et on se met directement dessus. Voilà. Bon, évidemment, c'est mal collé. C'est pas grave. Je couperai. Je suis pas droite. Du coup, je vais couper ce qui ressort. C'est pas grave. Hop. Et ce côté-là, on va faire pareil. Voilà, ça se verra pas. Ni vu, ni connu. C'est juste le pliage qui est un peu chiant. Alors, ici, de chaque côté, on va prendre la ligne de trait qu'on a ici. Et on va prendre 1 cm.
ici et de l'autre côté. On va prendre 1 cm. On va mettre un repère. Et on viendra tracer. On se met sur la ligne de pli à gauche. On met un petit trait. Et là, on va tracer. Là, on fait pareil. Et on va tracer une petite ligne de pli à 1 cm. Comme ça, quand on va plier, ça sera beaucoup plus simple à défaire. Alors, il est où mon truc de pli? Il est là. Hop. Tac. Je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Là, je fais pas. Parce que sinon, ça va se voir. Je fais juste là. Ensuite, là, vous avez votre petite ligne de 1 cm. Que l'on a tracé tout à l'heure. On va prendre notre double face. Et on va mettre un petit morceau de double face. Juste là, ici, d'un côté. On fait pareil l'autre côté. On met un petit morceau de double face. Hop. Tac. On retire la petite pellicule. Et on colle. Voilà. Uniquement les deux côtés, d'accord. Et on va venir tourner un petit peu, hop, bien marquer le pli des côtés. Tac. On fait pareil l'autre côté. Marquez pas en haut. Hein. Voilà, et maintenant tout simplement, on va venir en fait ici au fond pousser la rainure que l'on a. Alors, on peut ouvrir comme ça. Hop. Et on va pousser sans déchirer le petit trait qu'on a au fond. Alors ça, c'est le plus compliqué. Vous écartez bien et vous poussez. Voilà, vous voyez, comme ça. Hop. Et ça va venir se mettre, en fait, jusqu'à la pliure qu'on a fait tout à l'heure. Hop. On pousse et ça va s'arrêter à la petite pliure qu'on a marquée tout à l'heure. Alors, c'est pas évident avec les bras allongés de vous montrer. Hop, c'est bon. Là, c'est fait. Voilà, vous voyez, vous poussez comme ça. Hop. Voilà, et ça va se mettre tout seul jusqu'à le petit 1 cm qu'on a tracé tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, je suis désolée, je ne suis pas devant vous. Mais c'est pas évident, vaut mieux le faire avec les... Voilà. Et ça vous ouvre en fait votre petite pochette. Voilà. Donc là ici, sur les côtés, vous faites ce que vous voulez. Moi, hop, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Tac. Et après, on n'a plus qu'à décorer et mettre notre petite... notre petit truc ici qui va venir fermer en fait. Voilà. Alors pour la déco, moi j'ai pris des petits ballons. J'avais des petits trucs. Voilà, je vais mettre. Je vais faire une petite boîte enfant. Hop, je vais mettre un petit ballon ici en 3D. Là, je vais mettre un petit truc marqué parenthèse de bonheur.
Hop. Ça, on peut le mettre ici. Voilà. Et cette petite chose qui va se mettre là, vous mettez ce que vous voulez pour venir fermer et enclencher notre petite languette. Alors après, j'avais des fleurs de chez Avonmeil. Je les ai détourées. Du coup, je vais mettre. Hop. Ça n'a pas d'importance si on ne voit pas tout. Voilà. Là, j'ai une feuille. Je vais la mettre à côté. Sans la déchirer, évidemment. Voilà. Et il me restait des petites fleurs. Je vais les mettre sur la... Comment ? Ah ! Bon, j'ai perdu ma fleur. Elle est là. Je vais la mettre sur la... Sur la pochette. Mais là, c'est tout petit. Et du coup, c'est moi qui l'ai défait. Allez. Hop. J'ai défait le nom. Pas défait. On va le mettre ici en haut. Tac. Et j'en ai une autre. Comme je les ai découpées, je peux les mettre à la poubelle. Parce qu'elles sont trop belles. Ça se défait tout seul. C'est génial. Bon, ça fait un peu d'électricité statique. Et elle, je vais la mettre ici. Voilà. Du coup, je vais mettre un morceau de double face derrière mon petit... ma petite fermeture. Alors que je fasse pas n'importe quoi. Hop. On va la coller ici. Vous voyez, c'est vite fait, hein. Alors, on se la colle. La fermeture, elle est là. Tac. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, soit vous... j'aurais pas dû mettre le truc là, parce que c'est pas évident pour fermer. Ouais, le truc en 3D, là, j'aurais pas dû le mettre en 3D. Mais c'est pas grave, ça se fait. Voilà. Hop. Et ben moi, je trouve ça mimi tout plein pour offrir des petits bracelets. C'est vite fait. Et puis, on peut prendre nos chutes de papier pour le faire. Parce qu'on a toujours des chutes de papier. Voilà, voilà. Et ben voilà, donc une toute petite vidéo, hyper rapide, hyper facile, hyper rapide, oui, je sais pas, hein. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les sildingos, les sildingotes, scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.